aujourd'hui je vous montre comment faire une banderole de body, donc avec des fanions en forme de body, les lettres et puis comment faire votre banderole customisée à la maison. Donc on va commencer par les fanions en forme de body, donc ça peut servir pour une baby shower, pour une fête de naissance, un baptême. J'ai des stickers tout prêts en fait de lettres, et puis sinon on peut très bien aussi faire des lettres soi-même ou avec des peintures, avec des pochoirs ou des tampons. Donc j'ai découpé à la main les body que j'ai préparé pour aujourd'hui. On va faire une petite banderole, c'est vraiment pour vous montrer. On essaie de bien centrer toujours la lettre. On va simplement marquer baby. Et puis derrière, à l'avant et à la fin, j'ai un body vierge pour vraiment démarrer la banderole élégamment. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est tout simplement un petit emporte-pièce pour faire les trous, pour passer le fil. Et puis, faire attention de bien faire les trous sur des formes comme ça, dès qu'on est sur du rond, sur du body ou d'autres formes, de faire les trous bien à la verticale pour pas que ce soit bancal et que vos fanions ne soient pas droits. Donc, on voit bien les trous ici. On prend comme ça et vous faites des trous bien droits au niveau des manches. Surtout n'allez pas trop proche du col. Et donc vous prenez un bolduc traditionnel. Et puis, vous commencez par la fin.